Après un mois sous occupation des groupes armés, la ville de Tombouctou se meurt à petit feu. Une semaine après le sabotage du monument Al-Farouk par le mouvement Ansardine, c'est au tour des tombes de Saint Sidi Mahmoud et Hama Mahmoud d'être profanées par des hommes armés. Le porte-parole du mouvement Ansardine avance ici les raisons de la destruction du monument Al-Farouk. C'est nous. La fête qu'on a fait ça, Al-Farouk, les gens pensent que c'est Al-Farouk qui couvre la ville. Hein? Bon, pour nous, ça on ne peut pas l'accepter parce que c'est contre notre religion. Et on veut que les gens s'attachent à Allah, pas à un symbole. En ce qui concerne les mausolées de Saint Sidi Mahmoud et Hama Mahmoud, aucune raison n'a été évoquée. Ces actes de sabotage répétés des symboles de la ville sainte ont provoqué la colère des habitants de Tombouctou, dont certains sont restés malgré l'occupation. Une marche de protestation a d'ailleurs été organisée jeudi, non pas contre les occupants, mais pour dénoncer le silence de l'État. Un silence que les Tomboxiens considèrent comme un abandon.